ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. L'Église, bonsoir. À tout membre fidèle qui est avec nous à Souéa en présentiel, à tout membre virtuel qui viendra nous fidèle parce que vous acceptez vous ces membres l'Église de l'Église Adventiste Universelle, n'a dit bonsoir et bienvenue au service de ce soir. Êtes-vous prêt pour le retour de Jésus? À 4h31, un lundi matin en 1994, nous avons été réveillés par un violent séisme, l'épicentre du tremblement de terre d'une magnitude de 6.6 sur l'échelle de Richelieu était situé à Northridge. À 50 km de distance, les dommages étaient considérables que certains ont catalogué ce séisme comme la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire des États-Unis. Le sabbat suivant, les responsables de notre Église ont invité les membres à raconter comment le séisme les avait affectés. Plusieurs ont dit qu'ils avaient été frappés de terreur. Puis, il y a un homme nommé Tony, il a pris la parole. Lui et sa femme avaient perdu un fils pour peu de temps auparavant. Réveillé par le séisme, Tony s'est mis à louer Dieu. « Enfin, Seigneur, tu es venu mettre fin à ce vieux monde. Merci, merci !» Lorsque son épouse a rapporté à une amie le témoignage de son mari, celle-ci s'est exclamée, « Oh, cela me donne la chair de poule. En ce monde chancelant devant la mort et la destruction, un tremblement de terre à venir sera porteur de bonnes nouvelles, car alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Qu'arrivera-t-il alors de ce tremblement de terre universel et du retour de Jésus? Les génocides et d'innombrables autres horreurs disparaîtront. Les peurs de sans-emploi, de sans-abri, des abandonnés et des maladies se métamorphosent en espoir. Il y a-t-il encore de l'espoir pour un monde si bouleversé? Frères, sœurs, Jésus revient bientôt. Et avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. À soi, nous voulons saluer tout membre fidèle MEODH qui est connecté avec nous. Tout le monde qui est sous plateforme Ebenezer, sur YouTube, quel que soit côté, nous prend plaisir pour nous dire bonsoir et bienvenue au service de ce soir. N'a invité à partager service. C'est opportunité pour partager message là ou même qui gagne un monde ou envie faire le temps de Jésus, parler de Jésus avec le pasteur Abens Pierre-Antoine. Oui, le message des trois anges doit être prêché. Encore,
bonsoir et bienvenue. Nous pral mettez nous ensemble pour nous adorer, louer, psalmodier, exalter le nom de notre Dieu. Oui, c'est moment louange et adoration. Ou pas qu'à chita l'envie dans la présence bon Dieu, mains croisées, pieds croisés, mains dans ma chouette. C'est moment louange. Nous pral louer, nous pral faire joie pour Seigneur. Nous pral faire tout le monde connaît en vérité. Si nous réveillons matin, c'est parce que bon Dieu nous en vivant. Val? You Lord, with all my soul, with all my soul, I praise you Lord, praise with my life, praise with my life, and everything I do, I praise you Lord, I praise you Lord, I praise you Lord, with all my soul, with all my soul, I praise you Lord, praise with my mind, praise with your life, praise with my life, and everything I do, everything I do, I praise you Lord. Let's say oh, 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 everything I do, I praise you Lord.
Comment ça nous voulons acknowledge présence visiteur yo parmi nous dans la salle. N'a demandé c'est un simple geste qu'on fait. On dit nous qui est-ce qui vient pour la première fois nous gagner nous rencontrer amis ça déjà. Est-ce que parmi nous qui là c'est pour la première fois nous venir dans la salle là soir. Juste fait un geste et m'a vienne côté nous soir. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec service. Bienvenue. La minute ça, c'est le moment côté que nous allons passer un petit moment d'amour dans la présence de bon Dieu. Petit moment d'amour, c'est un moment, quelle que soit la difficulté qu'on gagne, quel que soit le problème qu'on gagne, on est capable de porter devant l'Éternel, on est capable de décharger tout souci qu'on gagne, toute difficulté qu'on gagne et nous rassurer nous. Que bon Dieu nous dans le ciel, non seulement la prend note, mais la répond avec prière, nous, avec besoin que nous gagnons. Non seulement famille qui l'ensemble avec nous, mais ou même tout, qui dans YouTube, qui suivent nous, nous invitons pour capable ouvrir le cœur dans la minute ça, alors que nous pouvons passer un moment de la prière pour nous demander bon Dieu pour capable faire nos grâces dans le moment ça. Nous invitons pour capable mettre à genoux. Pour capable prendre une attitude révérencieuse, alors que nous pouvons prier, ou même tout, ouvrir le cœur avec l'Éternel. C'est vrai, nous avons intercédé en votre faveur, mais ou même tout, nous capable parler avec Papa qui est dans le ciel là. Côté qu'il est toujours prêt pour capable incliner les oreilles jusque vers nous, pour capable tendre des cris qui sautent dans un train, mes frères et sœurs. Nous avons servi un bon Papa. N'a servi un grand Dieu, non seulement qui ouait, qui tendait, mais qui toujours prêt pour capable répondre à prière nous. Notre Dieu, notre roi, papa nous qui dans le ciel là, sauveur nous, rédempteur nous. Nous par contre comment dans minute ça pour nous exalter non, pour nous glorifier non, pour ça qu'on réaliser dans la vie non, pour privilège qu'on ban nous, pour nous capable dans présence nous. Côté que pendant ces deux semaines, vous voyez un rafraîchissement spirituel pour nous-mêmes. Pendant ces deux semaines, vous prêt pour capable délibérer petit tuyau. Pendant ces deux semaines, vous prêt pour capable guérir ça supposé guérir. Pendant ces deux semaines, petit tuyau déplacé un peu de partout. Vous sorti ça et là pour venir dans Ebenezer. Pour être capable de venir rencontrer ensemble avec vous. Seigneur, nous connaissons dans le moment croisade. C'est le moment ça, à côté que Saint-Esprit, lit un peu de partout dans toute la coin dans Atlanta, pour la chercher un homme qui a pépiné, pour capable mener, venir dans Ebenezer. Comme ça, pour nous capable de venir entendre des paroles, paroles qui baillent la vie, paroles qui prêtent pour capable non seulement délibérer nous, mais aussi conduis-nous dans la vérité. N'a pas donné miséricorde au Seigneur. Pendant que petit tu es déplacé, tu viens en présence. Nos amis visiteurs, gagnez yo paroles que vous pouvez entendre. C'est pour la première fois que vous pouvez entendre des paroles. N'a pas demandé au nom miséricorde pour préparer le cœur. Préparer l'esprit. Gagnez yo Seigneur, pendant ces deux semaines, en pile code pour le casser pour vous-même. En pile chaîne pour le casser pour eux-mêmes. Gien en pile nan yo Seigneur nous connaît que l'ennemi est fâché parce qu'il connaît qui miracle qui pour opérer à la gloire de Dieu. Oh papa nous qui dans ciel là, à cela nous comptons encore pour deuxième soirée ça qu'on voyait pour nous-mêmes avec docteur Arbenz. Nous connaît Seigneur, lui fait des préparations certes, mais une chose est certaine, c'est que parole qu'on voulait dire à soya, c'est lui même seul que le bral dit pour peuple ou un petit ouyo qui besoin de libérer, qui besoin de délivrer au nom de Jésus de Nazareth, il est capable de délivrer à soya. N'a pas demandé un miracle Seigneur pendant ces deux semaines, que un homme qui supposait délibérer est capable de délibérer.
que l'homme qui supposait venir jouer nous au nom de Jésus de Nazareth, il est capable de venir jouer nous et qu'on sa fête va faire dans Ebenezer. Fête va fête dans le ciel, parce qu'on dit dans la parole, seulement si il y a un monde seulement qui choisit pour répondre avec et appel que vous-même vous faites à vous-même, appel qu'on fait avec cœur, eh bien, il y a une fête dans le ciel là. Donc nous rassurez-nous, Seigneur, pendant que petit est déplacé, vous venez chercher présence de grâce, Seigneur. Ouvrez yeux à soya. Ouvre les oreilles, bah, des oreilles spirituelles pour que vous puissiez discerner dans ce que vous attendez, pour discerner les paroles de vérité et qu'on se va prendre des décisions pour marcher ensemble avec vous. Pas quitter ou retourner la caille au même Jean, Seigneur. Non seulement pour que vous puissiez attendre, vous puissiez capable appliquer, vous puissiez capable remettre la vie à vous-même. Et comme ça, Seigneur, vous va venir dans nos ça que vous-même, vous avez trié un peu de partout. Pour venir mettre nous ensemble, pour que nous capables vraiment honorer nous et exalter nous. Une fois de plus, Seigneur, passez visiter petit Dieu dans l'assemblée. Ça suppose guérir, guérir pour gloire et pour honneur. Ça suppose délivrer, délivrer pour gloire et pour honneur. Et utilisez encore une fois, Seigneur, dans la deuxième soirée, petit garçon, docteur Arbenz Pierre-Antoine. Donc, étant vous merci, oui, Jésus. Parce que nous connaissons tout ça que nous demandons. Non, 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 non. Ou a fait. Parce que c'est non seul qui mérite honneur, qui mérite adoration, qui mérite exaltation. Une fois de plus, Père Saint, tant décris-nous. Tant décris-nous, Seigneur. En tant exauce, pardonne. Nous demandons toute grâce et faveur. Dans le nom de Jésus-Christ, sauve-nous. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la toute puissance. Dès à présent, dans tous les siècles des siècles. Amen. Good evening. So we're going to sing Comme on Sef to welcome the Spirit in before we get this program started. So I will ask everyone to please stand so we can sing Comme on Sef. Bientôt, Jésus va revenir. Numéro 112, seulement un seul couplet pour que nous capables de prédisposer pasteur nous, docteur Arbenz.
ciel, bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tous radieux, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nuit. Si c'était aujourd'hui, on a l'ensemble. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Bientôt. Thank you, rassoyez-vous. Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Oh, frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comme vous le savez, c'est toujours avec beaucoup de joie que nous prenons la parole au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour vous le présenter. Nous sommes heureux d'être encore ensemble ce soir et je suis comme convaincu que tous, vous et moi, nous avons eu une bonne journée aujourd'hui. Amen. Si vous avez eu une bonne journée, disons tous ensemble amen. Disons ensemble merci Seigneur. Amen, amen, amen. Je suis content, ouais, non, et me saluer, non. Je vous salue aussi, tous ceux-là qui nous suivent sur les différentes plateformes disponibles pour vous. Et nous sommes contents de vous avoir avec nous sur la ligne ou de l'autre côté de l'écran. Nous avons la conviction que notre Dieu, qui nous a bénis dans le passé, a béni nous encore à souhait. Maintenant, quelques annonces importantes avant que nous entrions dans le message. La première annonce, c'est que moi, je voulais rappeler nous que à Souéa, nous commençons relativement plus tôt. Nous avons commencé à 7h30 précise et nous voulons garder l'horaire de cette manière. Ça veut dire qu'on a gardé le même horaire là jusqu'à la fin. Donc, chaque soir, on a ici à 7h30 parce que l'objectif là, c'est pour que vous quittez ça là à 9h15 au plus tard. Moi, dis au plus tard. Je dis à 9h15, vous quittez. Mais au plus tard, vous quittez à 9h15. Parce que ça nous voulait, c'est que vous quittez là à 9h précise. Est-ce que vous avez, bien aimé? So, soyez avec moi, venez à l'heure pour que nous capables de commencer. Et depuis nous commencer, train démarrer, je vais camper. Ça veut dire que je vais prendre un mi-temps en route. Je m'invite pour capable avec nous dès 7h30 pour l'exercice de chant et les différents points avant-coureurs du message. Et puis tout de suite, nous entrons dans le message. Là, nous voulons que 9h précise, nous terminer pour nous chanter. Pour nous voir aller la caille. Now, nous pas voulons quitter la pita que 9h15. Avec dit, m'a fini à 9h, ou même si vous voulez faire un petit temps dans l'obia, ou qu'à faire 10, 15 minutes, mais depuis elle fait 9h, 10, 12, tout le monde se rache, nous laissons la salle. Est-ce que ça ok avec tout le monde? All right, nous nous mettons debout et nous prions le Seigneur ensemble, alors que nous allons rentrer d'emblée dans le message de ce soir. Notre Père qui est dans les cieux, nous nous humilions à tes pieds encore ce soir et te prions. Nous te supplions d'être avec nous par Jésus, comme tu l'as fait dans le passé. De grâce, humilie-nous et sanctifie-nous, purifie-nous. Donne-nous, s'il te plaît, doux Jésus, de parler pour toi, de parler de toi et de permettre que tout ce que nous aurons à faire ou à dire soit de nature à ramener des cœurs à toi et à nous rapprocher aussi de toi encore davantage. Fais pour nous bien au-delà de nos espérances. Humilie-nous si c'est là ta volonté, mais glorifie ton Seigneur grand nom et édifie ton peuple en Jésus que notre Sauveur, nous te prions. Amen. La restauration de la cité perdue, ce message
est d'importance pour moi. C'est le deuxième de la série et j'aimerais que vous suivez moi avec attention parce que hier j'ai commencé par vous parler de certaines choses et ce soir je suis venu avec un petit peu plus d'évidence pour vous convaincre sur certaines choses que les hommes planifient de réaliser dans le cadre de notre vie sociale, de notre vie humaine sur la surface de la terre. La restauration de la cité perdue et nous sommes à considérer le règne de Dieu. Est-ce qu'on est avec moi, bien-aimé? Non, j'aimerais que nous comprenions que les hommes aiment toujours aller à l'encontre de la volonté du Seigneur. Les hommes, généralement, voulaient prendre le contre-pied de ce que bon Dieu ordonné. Est-ce que jusqu'ici, on est avec moi, bien-aimé? Suis-moi avec attention. Et ça nous parle pour assurer à l'extrêmement important. Et moi, je voulais bring it home a little pour nous capables de comprendre dans quelle situation on a évolué. Voilà, nous tous qui là, nous habitués avec causer ça. Est-ce que nous avec moi, bien-aimé? That's the Stonehenge of America. Comment nous relève? The Stonehenge of America. Parlavem. The Stonehenge of America. Est-ce que nous connaissons Stone ça? Lit exactement l'état que nous y est là. Nous sommes à Atlanta. Atlanta is dans l'état de Georgia. Et Stonehenge ça lit aussi en Georgie. Jusqu'à présent, personne monde pas connaît qui est-ce qui bâtit. Jean-Noël là, personne pas connaît qui est-ce qui bâtit, mais lui exactement en Georgie. Suivez avec attention. Sur une haute montagne dans le banlieue d'Elberton, Georgia, se dresse un monument imposant, 119 tonnes de granit imposante ou en 5 colonnes, 6 mètres de hauteur, recouverte d'une pierre tombale, non seulement géométriquement bien arrangée, mais aussi qui offrit 3 perspectives astronomiques différentes, marquant la position du soleil et des étoiles, d'où son nom, le Stonehenge des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous avez bien aimé? Yon statue, yon monument que yon dressé ici aux États-Unis, plus particulièrement en Georgie et encore beaucoup plus précisément du côté d'Elberton, dans le banlieue, là, yon stone que yon dressé, qui gagne 6 pierres là-dedans. 4 qui rencontrent l'un centrifuge, et puis gagne yon au milieu qui soutenu, yon qui sous tête li. Et les balancé li, li semblait avec yon sanctuaire que yon built là. Et Stone et ça, yon relè li géométriquement et astronomiquement bien arrangé pour le capable communiquer avec le soleil et pour le capable attirer énergie et pour le permettre gain communication avec des dieux dans l'espace. Est-ce que nous avons un bien-aimé? En sorte que là en Georgie, et c'est pas pour grand merci que Georgia pas ton grand état et Atlanta particulièrement pas ton grand état, mais tout à coup il y a de cela quelques années environ 25 ans et bien il a développé Georgia. Est-ce que nous avons un bien-aimé? Et en pile moun a flag down tout Atlanta, tout Georgia et haïtien blaï dans zone nan, et m'pa regret ça parce que si pas ça madame la yo di. So moi content pour me dire nous bagay ça yo yo pas arrivé pour grand merci. And as you can see, yo était capable placer Washington DC, yo était capable placer New York City, but yo tourner les regards des hommes de ces grands espaces et puis yo placer au l'autre côté que ou capable à peine découvrir côté lié. But yet, yo gen un plan, yo gen un objectif, yo gen un mouvement que a réalisé à travers Pierre ça. Et si vous ne pouvez pas suivre, vous prenez la mira. Monument, ça a lui référé à 10 motos que vous considérez comme guiding force qui offrit au monde par un anonymous builder, monument les 10 pensées qui guidaient l'humanité dans les jours à venir. 10 pensées qui pourraient guider l'homme sur la surface de la terre et plus particulièrement aux États-Unis dans les années à venir. L'Éternel qui créait nous dès le commencement de la création. Suis-moi bien parce que mon côté me veut arriver avec nous. L'Éternel qui créait l'univers tout entier. Est-ce que nous suivons? Nous pas là. Mon Dieu créait l'univers. Et là, l'Éternel a créé l'univers, l'Éternel a créé la terre et l'univers tout entier à travers 10 paroles.
L'Éternel dit que la lumière soit. L'Éternel dit que les eaux d'en haut se séparent d'avec les eaux d'en bas. L'Éternel dit que les eaux d'en bas se rassemblent pour former un sein. L'Éternel dit qu'il y a des luminaires dans le ciel. Est-ce que nous avons bien aimé? L'Éternel dit qu'il y a de la verdure sur la surface de la terre. L'Éternel dit que les animaux qui se produisent, se reproduisent, et si de suite, jusqu'à ce que l'arrivée, la Genèse 1er, verset 26, lui dit, et l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. Cela veut dire l'univers tout entier. Jean nous te connaît longtemps et Jean nous connaît le connaît, lui basé sur la parole de Dieu. Lui fondé sur la parole. Et ce n'est pas n'importe quelle parole, l'Éternel prononçait 10 paroles. 10 paroles que je relais encore le décalogue. L'univers créé par 10 paroles. 10 décalogues. Parole, logos, 10 paroles, le décalogue. Ça veut dire, c'est 10 paroles qui donnent naissance à l'univers tout entier et à l'homme. Et c'est même 10 paroles ça que l'Éternel pourrait mettre sous 2 tables de. Non pas là. I'm trying to create in you the desire to understand things in a totally new dimension. L'Éternel prononçait 10 paroles. Et 10 paroles, ça y est, l'Éternel plaçait dans l'univers tout entier. Est-ce qu'il y en avait, mes bien-aimés? 10 paroles, ça y est, pour créer le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, la mer, la terre, les sources d'eau, les animaux et même l'homme. Bien-aimés, il n'y a pas à sortir de là. C'est parole, mon Dieu, qui mettait moi-même avant sur la terre. Et c'est par la parole que l'Éternel contenu en ce qui est sur la terre. Mais pas jamais oublié. L'Éternel a commencé l'univers. Dans Genèse chapitre 1er. Est-ce qu'on avait moi bien aimé? Dans Genèse chapitre 1er, l'Éternel dit, alors, la parole du Seigneur nous dit, Dieu créa, au commencement, Dieu créa les cieux et là. Par là, même, au commencement, Dieu créa. La terre était et on nous lit ensemble, dans Genèse chapitre 1er. Parce que nous allons nous lire pour nous comprendre bien ensemble avec moi. Parce que nous allons aller avec Texas. Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Point. Verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des. Notez-moi ça, moi. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière, la terre était informe et il y avait des ténèbres à la surface de là. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des. Ça veut dire, premier bagaille, t'es un désordre total. Deuxième bagaille, t'es un fait noir total. Et troisième bagaille, suis-moi bien. Bon Dieu pral tirer l'univers des eaux. Nous voilà. Et maintenant, suis-moi bien. 10 paroles pour créer tout bagage qui existait sur la terre. Et plus tard, dans Exode chapitre 20, l'Éternel pral ba nous 10 paroles encore. Quel pral de les comment? Les 10 commandements. 10 commandements qu'elle plaçait sur quoi? De table de pierre. Non, les allons dans Stone Age là. Nous avons son colonne tables. Nous voilà. Table de pierre, granit, artistiquement travaillé, géométriquement bien arrangé et astronomiquement bien aligné pour mener la terre dans une dimension de contact et de relation avec des dieux étrangers qui n'est pas l'Éternel des armées. Nous voilà. Les nous en pile timoun a perdu dans le pays ici. Nous voyons une série de crimes en fait, serial killers. Nous ne savons pas comment ça va passer. Nous sommes petits, nous avons fait une série de causes. Nous ne savons pas comment tout le monde nous fait réfléchir. J'en réfléchis. Nous sommes une série de criminels qui ont fonctionné. Là, nous sommes rentrés dans l'école, tuer tout le monde, rentrer dans le store, craser tout le monde. Et nous ne pouvons pas expliquer ça. Y a fait. Nous ne pouvons pas comprendre. Parce que y a une invocation qui a fait sur la terre. Et mauvais esprit occupé la pensée des hommes. C'est ou bien on mettait bon Dieu dans la vie ou bien Satan a rempli la vie.
La nature a horreur du palavre, bien-aimé. Remarquez. Donc, et Pierre Sayo, qui pral considéré comme the Stonehenge of America, Pierre Sayo aussi, il a écrit dans 8 langages, mais il a gagné 10 commandements sur YouTube. 10 lois, 10 rules. Et 10 lois, ça y est, c'est eux-mêmes qui pral quitter l'humanité de Jodi à côté de nous, à côté de nous praler. Il y a une loi, nous pral la loi, ça y est. La première des lois, et c'est commandement, ça veut dire le monde a été créé sur la base de 10 commandements. Les hommes veulent repenser le monde et l'univers. Et ils imitent le Dieu créateur. Et ils disent le nouvel ordre mondial. Ils peuvent créer un new world. A new world order. Et this new world order aussi, même gens avec le monde que mon Dieu était créé, ils peuvent gagner 10 commandements. Tout. Nous voilà. Est-ce que nous suivons, moi bien aimé? Be with me because I'm going somewhere with you. Première loi. Premier rules, là, premier commandement, lui écrit clairement, garder l'humanité en dessous de 500 millions de monde. Ou bah là. Pour créer une balance perpétuelle entre la pollution mondiale et la nature. Je dis, la terre est en détérioration. La terre a réchauffé. Monde a victime. Est-ce qu'on avait bien aimé? Et il a estimé que c'est parce qu'il y a trois mondes sur la surface de la terre. Il faut réduire la population et garder la population en dessous. Ça veut dire en bas 500 millions de monde. Now, do the math. La terre a environ presque 7 billions de monde sur lui. Nous pas là. La terre a combien de billions de monde dit bien sur lui? Presque 7 billions de monde. Non, si la terre a 7 billions de monde, et on dit c'est pour la terre retourner à 500 millions. Cela veut dire que il y a 6 billions. 500 millions moun environ qui sous la terre que yo considéré comme expendables et qui besoin pas là encore. Il y a 6.5 billions moun qui sous la terre que le monde pas besoin. Parce que ou gen 500 ou gen 7 billions et yo vle kembe la 500 millions. Ça veut dire l'an 6.5 billions are you not part of it? Et sous l'amit en 6.5 billion ça. Qui ça qui vous garantit qu'on a plein 500 millions qu'a prêté? Qui garantit ou gagne? Parce que bien aimé, nous ne pouvons pas souhaiter ça. La terre n'a pas trop de tolérance pour nous. Et vous n'avez pas découvert des fois, même nous, pas si vous êtes nous pareil. I've been in the United States of America for the past 23 years. I came in 1999. M'ka di nou sa très sincèrement, gon époque l'ap kite en Haïti ou konn ou a vinn nou pays blanc, ou konn pral gen raciste, ou konn yo ka tué ou konn yo ka krazo nan mitan la rue, ou konn yo ka linjou, ou konn yo ka pran nou n'importe ki lè. Mais on peut que jam penser que yon noir américain ka fè discrimination avò parce que ou noir tout mon pa américain. So, wap victime de blanc parce qu'on noir, wap victime de noir parce qu'on haïtien li américain. So, ça veut dire, le yap tué, le yap éliminé, ou même qui pas américain, ou c'est premier target. Deuxième bagage, suivez-moi bien. Gérer la reproduction avec sagesse. Et ça, c'est le mot de Bill Gates. Nous devons contrôler le système médical. Nous devons contrôler le taux de natalité. Ou pas là? Dans certains pays, ils ont demandé à faire petit pour être capable de conserver la production. Alors que dans d'autres pays, ils ont dit c'est pour mener nos conditions de stérilité pour pas qu'à faire tout le monde. Parce que si moun a fait petit, il y a déjà la guerre, une série de immoralités dans le monde.
Yo di ou pa ka manye piti tou, lèl fè des ordres. Ou pa gen dwa kalèl. So ti moun nan leve tout grand moun. Et si ti moun nan leve tout grand moun, yo di ti moun nan an dan l'école la, ke l kapab fè sexe à l'aise, c'est un besoin physiologique comme manger et boire et dormir. Donc sou ti moun nan, ou ti moun nan kounyen so besoin, y a pa pran ti moun nan comment pou l'utiliser préservatif pou l pa tomber enceinte. Léon l'école dit ou mettez des cas pour petit tout. Ça veut dire ou met fait ti moun mais ou s'il vini l'école et yo gen moun qui pouvait sou ti moun pour aller l'école ça yo tout. Parce que psychologiquement yo connaît kou comment c'est pour ti moun. Tête ou commencer chaud. You don't get it. Léon commencer faire petit. Ou pour seul ou faire. Et là font premier. Gen des cas pour dans l'école là. Là au fond deuxième, l'école là pas chambre carrée, l'école là fermée quand même. Et même sous la classe, gen tête chargée, si ti moun nan ba un coup cassé, même sous la classe, t'a pas obligé relé. How long is going to take you to be abused and bullied by your own classmates avec des ti moun nan pio pendant l'école? How old are you? 17. Et puis pour estimer que you don't belong there anymore. You have to aller ici. N'a mette ti moun pou, gade n'a mette un, deke pou, n'a mette un garde pou dans l'école là. But, parce que yo koné, li pa pou longtemps avant quitter l'école net. Let me tell you something else. Ti moun mwen yo long l'école, yon l'école chrétienne blanc. L'école là, nan yon nan programme nan, mwen te la kala mwen ti gason nan vini avec un car seat. Mwen di koto pala avec par exemple doc. Un petit bébé noir la donne. Un petit poupé noir qui a crié. Yo pèse bouton ti moun nan crié et ti moun nan lèl crié ti moun chakou ne pou le manger. Ti moun chakou ne pou le prendre fè dormir et ils font semaine avec ti moun nan di mon monsieur. Gadoyé preuve pour l'été nan avim pour me trouver mon grand papa premier petit moun 18 ans grand papa. Malheureux, pas qu'à dormir, you set up the baby, regardez, avec technologie, pour à 1h30, 2h du matin, tu bon dis, enlève peut-être crier dans le là. You poupé programmé. Et, you gain deux objectifs avec question ça. Premier objectif là, c'est pour ti moun nan, qu'on est responsabilité gain, les fonds petit. Deuxième non, pour y faire connait kounia li besoin à la game kounia li besoin à la partie kounia li besoin à la série de bagaille kounia li besoin à l'école kounia c'est jeune li besoin temps pour lui-même s'il a mess up al fait ti moun kounia la mess up his whole life yo mettel non condition côté y a greatly sous Jean responsable ti moun nan la quantité fois ti moun nan crié parce que yo vle ti moun nan get the message subliminally que ou pa gen noir avec ti moun kounyen parce qu'elle trop bonnet pour alors que pour les noirs yo di nou gen garde pour ti blanc yo di li trop bonnet pour faire petit mais pour ti noir yo di nou gen garde pour mettre fait. Parce que vous parlez aux gens privés. Parce que vous avez 2, 3, 4 petits, vous n'avez pas fini l'école. Ou tu n'avez pas de high school. Ou vous n'avez pas fini. Vous avez un master's degree, PhD, pour avoir une compétition avec des blancs pareils. Ou pas là. Vous avez une liberté pour utiliser préservatif. Pour utiliser protection pour ne pas enceinte. Dites-vous, do not get involved before you get married. Then ti moun nan gon chance pou sauve l. Mais là dit ti moun nan it's okay to get involved. Just don't get pregnant. Conséquence, c'est que ti moun sa li pral fait petite à 15 ans. La fait petite à 14 ans. Now, l'elle tombe fait petite 13, 14, 15 ans, kounyan met ti moun sa krive non position côté kounyan ou pral mande kounyan gen 3 moun sous la terre, c'est pour réduire. So kounye, y a vini avec médicaments qui pour cause africain pas ka faire petite. Stérilité en Inde, gon paquet femmes en Inde, près de 500 000 moun en Inde que yo ba yon médicament quelques années de cela et yo découvri que depuis ces jeunes filles qui prend médicament ça, yo tout stérile. Jodia, gen yon paquet ti moun aux États-Unis d'Amérique qui vini jeune et stérile.
ils ont tout essayé pour bloquer le taux de natalité. Pendant qu'il y a diminué le taux de natalité, il y a augmenté le taux de mortalité. Parallèlement, parce que l'objectif c'est pour réduire la quantité d'hommes et de femmes qui vivent sur la surface de la terre. Quand on regarde, ah bien aimé, deuxièmement c'est gérer la reproduction avec sagesse, améliorer la diversité et la qualité de vie. Ça veut dire si vous gérez quantité de monde qui a fait petit et qui quantité de petit doit faire, si vous dites monde pas qui a fait petit parce qu'il faut réduire la population mondiale, et seul moyen ou gain pour réduire la population mondiale, c'est pour gérer le taux de natalité en accord avec le taux de mortalité. Tuer monde, empêcher monde faire. Et puis, la population sera balancée. Troisième commandement, unir l'humanité par un langage. Now, I want you to understand. Attendez. The Stone Age, il est écrit dans 8 langues. Si il est écrit dans 8 langues, nous écrivons là-dedans. Avec du baladan. Nous pas là. Ou est français là-dedans? Ou doublement out. Suivez-moi avec attention. Si il y a 8 langages qui est écrit là, pour qu'ils soient besoin d'unir l'humanité dans un seul langage. Parce qu'on écrit dans 8 langages. Cela veut dire que le langage dont on parle n'est pas le langage linguistique en termes de qui langue vous parlez, qui langue vous parlez. Mais il s'agit de penser. Nous parler même gens. Ou pas là. Suis-moi bien. Ça veut dire les jeunes n'ont pas de bagaille. Jeunes pareil, ils comprennent. Ou même qui comme nous ne doit pas comprendre. Depuis yon met ton couleur, yon tout net allé dans la même direction. Depuis yon remet un chant, tout jeune net remet un chant. Depuis yon jeune qui fait pour coiffure, tout l'autre jeune qui fait suivre ni la donne. En d'autres termes, ce n'est pas un langage tel que qui langue ou parler. Est-ce que c'est anglais, français, espagnol ou latin? Mais c'est qui mode de pensée, parce que qui langage ou parler, parce que j'en habillé, j'en fonctionné, j'en fait cheveux, j'en mettant tout le monde connaît qui langage ou y est. C'est possibilité pour nous penser même gens. Pour nous fonctionner même gens, pour nous habiller même gens, et que conseil de bagaille longtemps, regardez jusqu'à présent, conseil de grand monde jodien, qui a demandé est-ce qu'ils sont sur la tête toujours. Parce que les regardez gens, monde, a réfléchi jodien, il a demandé ce qui a passé là. Et c'est comme si Mdadou, tout le monde pensait même gens. Tout docteur en théologie presque jodien, il réfléchit même gens. La science médicale, tout le monde réfléchit même gens. On maladie vini, docteur vini, médecin vini, tout le monde dit même bagaille. Ou mande bot, comment ça fait drôle que personne moun pa ka wè ça pas normal? Mais tout le monde ou le même gens. Grand docteur ici, Fauci dit un bagaille, ou tande tout l'hôpital basé même gens. Parce que tout le monde a parlé le même langage, c'est le langage univers. Et le langage universel là, c'est le langage de la technologie. C'est le langage de la science. Ce n'est plus le langage de la foi. Autrefois, c'est la foi qui est le langage universel. Tout le monde te connaît Biblio. Tout le monde connaît bon Dieu qui existe. Tout le monde te connaît un verset biblique. Est-ce que vous avez bien aimé? Mais je dis, they go against the Bible. Tout le monde a dit la Bible pas de valeur. La Bible, c'est pour les hommes. Les hommes qui n'ont pas de connaissance. Parce qu'il y a un langage universel. Et ce langage, c'est le langage de la science. Vous avez bien aimé? Bon, allez rapidement. Quatrième loi, honorer la vérité, la beauté et l'amour. Honorer la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Bon, Jésus dit, je suis la vérité. Bon, rejetez Jésus dans l'école. Si rejetez Jésus dans les écoles, comment faire? Dis-moi, honorer la vérité. Ou pas qu'à honorer la vérité en dehors de Jésus. Mais la beauté aussi. Remarquez que construction qu'a fait sur la terre, je dis, hein, c'est une piece of art. Ah, nous pas là. Les hommes ont devenu de plus en plus sensibles à la beauté physique, à la beauté extérieure. Est-ce que vous avez bien aimé? Quand il y a une question de plume, j'ai presque arrivé dans la tête building, non? Song non twist. Couleur sous couleur, toute qualité forme cheveux, toute qualité forme moun, et quand il y a un champ, il y a exposé bagala, ou pas qu'à admettre, ou pas qu'à pas admettre. It is beauty in a sense.
but beauty in the eye of the beholder. Et finalement, l'amour. L'amour. Comment pour honorer l'amour? Cela veut dire, bon Dieu dit l'amour, je suis Dieu étant. Et pour faire l'amour, il mettait un garçon avec une fille ensemble dans le jardin d'Éden. Mais je dis, honorer l'amour, ça veut dire, si c'est l'amour lié, même si c'est deux garçons qui remet une autre, il faut honorer cet amour. Même si c'est deux filles, il faut honorer l'amour. Don't you see what's going on among our young people? Regardez, même si yo pa la donne, mais yo di, oh, eme moun nan gen choual, ou pa ka jugel, c'est le langage univers. Cinquièmement, ne pas devenir un cancer pour la terre, laisser l'espace pour la. Ça veut dire que trop de monde. Faut yo fon jan pour yo créer plus espace pour la verdure, pour la flore. Ça veut dire la terre est trop monde sous lui. Sixième commandement. Il dit nous, let these be the guide stones to an age of la science, la technologie, of enlightenment, siècle de lumière. Ah, nous pas là. Principe ça yo, c'est principe qui garantit protéger les peuples et les nations par des lois justes et des coups de justice équitables. Contrôler la passion, la foi et les traditions en les soumettant aux tests de la raison. Cela veut dire, depuis ces bagages qui paraissent passionnels, la caillou, il y a pas à contrôler. Comment pour contrôler passion? À moins que vous mettez un système embedded in me pour capable déterminer ça, hein? Parce que les un robot pas une passion. Un robot pas une émotion. Un robot pas un sentiment. Ou pas là, bien-aimé. Seul gens pour contrôler passion les hommes, c'est pour robotiser. Là, il faut venir tant que robot. Il y a un contrôle sentiment. Il y a un contrôle passion. Ou qui ont un petit, ou pas même réaliser ce petit tout lié. Est-ce qu'avec moi, bien-aimé, nous n'avons pas papa ou à maman, ou pas même accepter comme papa ou maman, ou même si, ou pas même reconnaître en tant que tel. Et bien-aimé, you don't get it. I'm trying to tell you this. Go packet movie que vous mettez dehors. Et dans le movie, ça, vous expliquez le clair. One of them is the movie Revolution. The revolution, your good system, your embed in your heart. Your prom, your mettez un numéro dans yo. Et n'importe monde qui active numéro ça, ou par contre maman, ou par contre papa, ou par contre frère, ou par contre ça. Et ceci, même dans l'armée, gon qualité de timoun, yo prend deux yo, qui parlent parent, yo prend un shelter, yo prend timoun ça. They train them to be robot. Et là, yo voyez yon côté, yo par contre maman, yo par contre papa. Et là, vous voyez dans la guerre, vous tuez Timoun, vous tuez femme enceinte, parce que moun sa ou pas moun, vous pas gen conscience. Because all they do, vous écrit un numéro, en bas, paupières, yon Timoun nan, et Timoun nan pas contre maman nan quoi? L'ikara nous a mis tirer maman à l'aise, elle pas gen ken mauvaise conscience. Parce que c'est pas conscience pâle qui a fonctionné, technologie gon computer qui a dicté numéro a, et depuis dicté numéro a activé, moun nan tuez moun livre. You no longer human being. You become a robot. You no longer has conscience. Bien-aimé, bon Dieu créé nous à son image et à sa ressemblance avec un cœur pour nous aimer une autre. Mais les hommes pas cœur. Parce que les redescendants ont côté en Afghanistan, ils ont commencé à bombarder les gens. Ils n'ont pas connu si les filles qui sont enceintes là-dedans. Ils n'ont pas connu si les petits gens innocents là-dedans. Et même ici, ils ont mis sous dos terroristes. Parce que les terroristes sont venus faire la Bible ici, ils ont les terroristes. Mais les gens allaient la caille. Ils sont chrétiens. Frère Maxime, bien-aimé, nous avons aimé comprendre ce qui est clair. C'est le siècle de l'arrêt, siècle des lumières. Non, pour tout le monde qui est intelligent, assez pour rappeler un petit peu de la littérature française. Le 18e siècle de la littérature française, avec les grands philosophes tels que Montesquieu, Fontenelle, Bell, avec Jean-Jacques Rousseau. Hey, Victor! Ah, nous pas oublier tout le bagaille. Tout le monde connaît, lorsque siècle ça a été venu en France, le 18e siècle français a été appelé le siècle des Lumières. Et avec le siècle des Lumières, Libral provoquait aussi le rejet de Dieu. La France rentrait dans le siècle des Lumières, la France rejetait mon Dieu.
La Russie rentrait dans le siècle des Lumières avec Marx et Lénine, le système marxiste-léninisme, ils ont rejeté Jésus. Son pari cas pour un siècle qui est basé sur la raison et pour que Jésus la donne. Son stone, ça, c'est le début d'une nouvelle ère, le début de siècle nouveau qui est basé sur la raison. Parce que tout ça n'a pas qu'à prouver, il n'y a pas raison. Ça veut dire tout, quel que soit ça, on dire, c'est pour capable by preuve, vous voulez. If you cannot prove that God exists by A plus B, if you cannot come with strong argument to prove the existence of God, cette histoire que bon Dieu existait parce que me sentais dans quel non, put yourself out of this with that kind of idea. Sous quoi mon Dieu ou quoi peut-être pas ou pas capable de dire. Parce que c'est le siècle de la raison. C'est le siècle des lumières. Et il y a aligné Roche là avec le soleil. Parce que le soleil sera le Dieu de notre siècle. Nous voilà. Là. C'est la puissance qui va contrôler le monde. Et c'est pourquoi la religion universelle qui va bientôt arriver, c'est la religion du dimanche. Sunday. Jour du soleil. Bien-aimé, l'objectif des hommes, c'est que nous suspendons humains et que nous vînons des robots dans les chairs humaines. Côté nous bagons conscience, cerveau nous contrôler à distance, cerveau nous contrôler par un computer ou bien un chip, et nous pas contrôler tête ou encore. Ou en vie font bagaille ou pas qu'à faire. Ou en vie, parce que c'est le diable. C'est ça l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je hais. Qui me délivrera de cette... Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Non, mais que nous comprenions ça bien. Ça veut dire le siècle qui vient. Ce n'est pas une période côté bon Dieu pour la donner encore. Ce n'est pas une période côté Jésus pour la donner encore. Les hommes n'ont pas fait plan pour mon Dieu. Les hommes n'ont pas fait plan pour Jésus. Si pour accepter, c'est qu'on y a pour accepter. Parce que le cas privé de will wipe him out of our conversation. Ce jeudi a besoin de sauver, c'est jeudi a pour mon Dieu. Pour que tu connais que tu positionnes. Pour dire samba la donne. Samba vlil. Frère Maxime, maman, allez plus vite parce que je nous comprendre. 8 langues. Chinese, English, Arabic, Hindi, Hebrew, Russian, Spanish, and so on. Bien-aimés, des initiatives sont prises. Premièrement, la terre green, la terre verte, le mouvement de la terre verte, UN Earth Program, UNEP, United Nations Earth Summit, ça veut dire un sommet pour la terre au niveau des Nations Unies, Agenda 21. Bien-aimé, if you don't know what Agenda 21 is, let me tell you exactly. Agenda a voté sous James Hill Carter. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas sous James Hill Carter, nous connaissons Jimmy Carter. Jimmy Carter voté Agenda 21 qui obligeait que en l'année 2021, le plan de la réduction de la population mondiale commence. That's Agenda 21. Agenda 21, c'est pas un agenda qui a gagné 1, 2, 3, 4, écrivez l'an 21. Non, non! Agenda 21, ça veut dire Agenda 2021. Because in 2021, you're supposed to commencer avec le programme que la Terre va devenir un autre monde. Ask me why vaccin est venu en 2021. Et panique à bord pour tout le monde prendre. Ça va passer sous la terre. Vous pensez que la terre, c'est belle bagaille, tout sous, t'es connu longtemps. We've been set up by a group of billionaires and politicians qui pas care de la vie ou, et qui pas care de bon Dieu, qui tout retire comme une bonne dans les écoles, retire Jésus sur les places publiques, et puis qu'on y a un monde après entrer tuer un monde dans l'école, ou j'aime dans les gens suivis pour ça. Agenda 21, ça veut dire en l'année 2021, il fallait commencer avec le plan d'une nouvelle terre ou d'un nouvel ordre mondial. Un billion de chances
dans 192 pays commémore la journée de la Terre chaque 22 avril. En 2009, la journée de la Terre a été renommée International Mother Earth Day, le jour international de la mère Terre, de l'alma mater. Est-ce qu'on a avec moi, bien-aimé? On a aimé que nous comprenions ça. Qu'est-ce que cela a à voir avec la journée internationale de la Terre? C'est 92 pays embarqués là-dedans, des billions de gens à adorer. Ça veut dire la Terre est devenue un lieu d'adoration ou quelque chose à adorer, un objet d'adoration. Et si vous adorez, si vous respectez, si vous commémorez, si vous célébrez, c'est notre home. C'est comme ça le pape dit, notre terre, la maison commune des hommes. Therefore, vous avez intérêt à protéger. Et vous avez intérêt à protéger avec vie. Et si pour protéger, c'est mourir pour mourir, you give yourself away. Ou par là, bien-aimé. Let me give you another movie. Nikita. Et Nikita a une scène presque pareille. Côté gagné un groupe d'hommes qui set up une petite fille et puis ils voyaient à crucifier tête li, à éclater une bombe en côté au prix de la protection de la mère terre. Bien-aimé, can I continue to tell you the truth? I have until 9 o'clock. Une ville de Lost City que y'aurait le comment Atlant par la même Atlant Atlantis. Hello, nous pas connait ça. I had the privilege of going to the Bahamas in 2008 to Pastor Nathaniel, Dr. Tashi, parce que c'est lui qui recommandait moi mal prêcher Bahamas en 2008. Et les m'y fait Bahamas, yo introduit moi dans une cité sous la mer. Et puis, il y a un hôtel qui est sous la mer. Hôtel là, il est Atlantis, in the Bahamas. En un hôtel ça, Michael Jackson a une chambre là, il descend là, 158 000 dollars a night. $158,000 a night. One room. Are you with me? L'arrivé, check it out. I'll chercher Atlantis in the Bahamas. Et il y a deux concerts dans le monde. Now, qu'est-ce que l'Atlantis? Nous, océan Atlantique là-dedans, c'est pas vrai? Et il répondait non, parce que c'est une ville qui était basée sur les eaux. Son ville qui était créée sur la mer. Hello? Une ville mystérieuse que Platon, un philosophe grec, hein? Le philosophe grec Platon a décrite dans son ouvrage Critia et dont l'histoire nous est contée par Solon. Platon, un philosophe grec, écrit parler de Atlantis. C'est une ville mystérieuse. Pour plus d'un, il s'agissait d'une ville mystérieuse. Est-ce qu'il y en a avec moi, bien-aimé? Que selon un disciple de Platon, pour faire référence à lui-même. Est-ce qu'on suit moi jusqu'ici? Selon Platon, ville, ça a été située dans l'Europe de l'Ouest. Et bien-aimé, Atlantis, que tout le monde te connaît comme une fable. Une fable, une mythologie grecque, un mythe grec, que tout le monde te considère comme un bagage petite tête. Jodia, if you go on the internet, you will see that many people are searching for the Atlantis. Parce que il y a plusieurs évidences côté la ville est sortie de l'eau et qu'on est capable d'identifier côté elle était avant. Ce n'est plus une fable pour la terre. Et pour qui ça les hommes a cherché Atlantis Jodia? Les gagnent pierre en Georgia qui gagne 10 commandements. Ou pas là? Cette ville a été détruite et personne ne connaît la location aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Internet l'a dit nous, check it, que Atlantis réapparaît. Et tout le monde qui n'a pas compte quand il était situé avant, on a commencé par tout, c'est dans l'Europe du côté de l'Angleterre. Bien aimé, nous pas ouais, nous, can you put the thing, the two and two together? Atlantis, une ville qui était bâtie sous qui ça? Et cette ville mystérieuse qui était bâtie, qui était construite sur des eaux et qui était gagné un dieu que était qu'on adorait, c'était le dieu Poseidon, ça veut dire le dieu de la mer. Le monstre marin. Nous pas là.
On va nous l'autre documentaire pour nous comprendre ce qui a passé. L'aime des timoun yo menem dans cinéma on l'est pour mal regarder un movie que le choc des titans avec un acteur qui relait percé. Avec une femme qui gon paquet fait pendant tête li, c'était chef bandit et depuis le cadeau ou tourner ça, ou tourner sans vivre. Ou pas là. Et c'est lui-même que Percé pour l'utiliser pour détruire le monstre de la mer. Le monstre de la mer qui problème était gagné, c'est que chaque année, c'est pour bannir une femme, une jeune femme, une belle jeune femme vierge pour le manger et c'est comme ça pour calmer tension. Sous pas bal tifi ça pour le manger, la détruit zone. Et Percé, un fils de Dieu, devait venir lutter contre ce monstre marin et remporter la victoire pour la paix à la terre. Ou pas là, bien-aimé. I'm telling you things that tout est pour garder longtemps ou just garder pour garder. But you te gagne un mystère caché derrière you. Et que je tiens qu'il y a un sens pour moi avant. Frère Maxime, bien-aimé, cette ville mystérieuse qui était jusqu'à présent inouïe dans la pensée des hommes. Atlantis est une ville de rêve, idéalisant un modèle de gouvernement universel pour l'âge d'or du paganisme où tout le monde vivait dans la paix et la harmonie. Nous pas là. Atlantis est une ville de rêve qui modelait un gouvernement universel pour l'âge d'or du paganisme. Pas du christianisme, mais du paganisme. Côté tout le monde à vivre en paix et dans l'harmonie, il n'y aura plus de guerre intestine. Il n'y aura plus cette histoire de maladie. Parce que tout le monde à vivre dans l'harmonie. Pas qu'un monde qui a levé contre l'autre. Parce que tous nous parlons le même langage. Pas qu'un monde qui peut le soulever contre l'autre. Parce que nous tous n'avons fonctionné même gens, nous tous les mêmes dieux. Nous tous les mêmes n'avons fonctionné. Pas qu'une question de religion à droite, religion à gauche. Parce que tout le monde peut admettre une seule religion universelle. Tout le monde va gagner combien de langages? C'est un nouvel ordre. Un gouvernement démocratique qui construit sur 6 piliers particuliers. Nous pas là. Est-ce que là? Sur combien de piliers? Stonehenge, non? Combien de piliers il y a là-dedans? 6 pierres. 4, il y en a qui campent dans le mi-temps et il y en a qui sous tête de Cocoville. Gouvernement Atlantis, là, universel, là tout, il est fondé sur 6 piliers particuliers. Le premier pilier, c'est un pilier économique. L'économie du monde sera universalisée. Il y a une économie qui est basée sur un système d'échange global. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Si on a une époque, bah, ça n'est pas vrai, c'était hier, mais pas aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, everything is about trade. Tout le monde, le crypto. Tout le monde dans Bitcoin. Gardez mal. Comme si ça m'a dit, n'est pas vrai. Tout le monde connaît l'on a acheté crypto money, a investi Bitcoin. Et bien aimé, le gouvernement américain, à travers son président, just prend une loi qu'à partir de décembre 13, il pourra retirer toute monnaie papier qui existait ou pour l'obliger à fonctionner avec monnaie électronique. World Trade Center, crasé en 2001. Personne n'a jamais connu comment le détruire. Parce que yon avion pas qu'à craser un building en l'air et puis pour l'écouler. It's impossible. Parce que tout le monde voulait faire comprendre terroriste rentrer, il voulait les fly un avion, l'entête building non, l'entête building à côté tête building là il y a un avion frappé là, pas que monde qui vient parce que même t'es well. Et puis pour dire en l'air dans hôtel ça, un avion crase un building en l'air et puis pour laisser ça, qu'on est pour building là écouler sortir en l'air tomber en bas. Non. On pas architecte. On ne doit pas un scientifique, même pas stupide. Bon mon lot l'eau la bise pour me dormir mais pas comme ça parce que l'idée n'était jamais que qu'il y ait un avion frappé dans building là pour les camper faut y joindre un bagage qui pour expliquer écoulement du building du bâtiment mais en réalité bâtiment était condamné pour l'écrouler et depuis avant plan qui est en fait parce que il y a plusieurs bombes que y ont placé en dans building là pour que depuis le prend choc là pour tout commencer à éclater en même temps.
sous la pulsion de la chaleur et puis sortent de là, building nous tomber. L'économie mondiale est messed up. Et depuis là, ça, la vie nous change sous la tête du tout au tout. Depuis 2001, September 11, la vie change sur la surface de la terre. L'économie prend un mauvais coup. Vous venez en bataille contre terroristes, vous ne savez pas qui est-ce qui est terroriste là. Ou à bataille contre terroristes dehors et puis terroristes en dedans à manger. Ou à introduire terroristes dans le caillou et puis ou à veiller terroristes dehors. De strip you naked dans chaque airport où aller alors que en dans la caillou même bombe a tombé. Bien-aimé, le monde est set up. Et besoin nous comprendre que bon Dieu gagne un mot pour dire ça. Le monde pas fait plan pour Jésus ni pour bon Dieu. Mais, dis-nous ça, arrêtez là. Le premier pilier, c'est le pilier économique. Deuxième, politique. Gon ligue de 10 nations démocratiques, dirigée par 10 rois sages philosophes, tous frères consanguins et fils du leader suprême Poseidon, le dieu de la mer, le monstre marin. Bien-aimé, pour qui ça fait? C'est le monstre marin, c'est là-bas qu'elle a commencé, le nouvel ordre mondial, c'est pour ça qu'il a commencé. Parce que le mon Dieu t'a créé le ciel et la terre, il dit... La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bon Dieu commençait toute bagaille avec les eaux. Et les hommes, les pour recréer le monde, ils ont décidé de prendre l'image. Ils ont Dieu de la mer. Est-ce qu'il y en a avec moi, bien-aimé? Je me posais tellement de questions. Pourquoi ça fait plus grand pays qui gagne sous la terre? Plus grande ville qui gagne sous la terre? Pays que moun visite plus sous la terre et ville que moun visite plus sous la terre, pour qui ça fait c'est New York lié? Et pour qui ça fait c'est à New York qui gagne la statue de la liberté? Et pour qui sa statue de la liberté en li bâti sur la mer in Jersey City? Et qui c'est la marque de la liberté, pas pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Parce que c'est New York, le centre économique du monde. Ah, quand les maps disent là, que peuple là, quand les pas, nous même abgadé m'dor. Bien aimé, nous avons aimé que nous comprenons le qui ça nous prend sous la terre et pour nous réaliser que nous pas guérir qu'une autre porte de sortie que les nous fouer qu'on nous abat c'est Jésus. Parce que les hommes comprennent la terre a vu une bon un jour. Yes, la vu une bon, mais pas vu une bon dans le sens où la vu une bon dans le sens Lucifer, Satan, le diable. Et sous même, et pour bon Dieu, il n'y a pas de bon pour vous encore. Mais sous pas pour bon Dieu, il n'y a pas bon pour vous non plus. Non. Ou à victime la donne quand même. Ce seul salut, c'est mettre bon Dieu dans la vie. Sur le plan légal, la loi, le côté juridique, tous les rois doivent se soumettre aux mêmes lois naturelles et universelles, telles que Poseidon les a inscrites sur la pierre au Richard Combe. Tout pays obligé de soumettre aux lois naturelles et aux lois universelles. Qu'est-ce qu'une loi naturelle? Si la nature fait une loi, c'est pour tout le monde respecter. Mais en nous entendant, la nature de Pôle Nord, là, soit vive dans en Russie soviétique, les lois naturelles de la Russie soviétique pas qu'à appliquer pour Haïti. Si vous vivez Alaska, loi Alaska pas applicable à Haïti, parce que Haïti est un pays tropical. Si tous les gouvernements doivent se soumettre aux lois naturelles, et loi naturelle ça, si c'est grand pays qui prend loi, elle n'est pas applicable à un petit pays qui a vivre dans une zone tropicale. Quand elle n'a pas 4 saisons, c'est 2 saisons gagnées, alors que l'Amérique a 4 saisons, pas un problème on balance. Nous pas là. Sur le plan militaire, personne ne doit utiliser une armée contre une autre dans la ligue. Tous les rois doivent attaquer en équipe. Ça veut dire que l'homme yon, c'est tout le monde net qui a besoin d'avoir. Global Army. Cela veut dire lorsque le Vatican prend loi et que tous les gouvernements de la terre acceptent, quel que soit le monde qui n'est pas d'accord là, toute la terre après le camper à le battre ensemble avant. Ou pas là. Nous l'avons vu en 81 avec George Bush, père.
Lorsque il rentrait en Irak, là, il battait avec l'Irak dans le golfe Persé. De même, après 2001, lorsque George W. Bush, fils, débarquait en Irak, 34 pays l'entèrent, mettaient tout ensemble, et puis pour la bataille avec l'Irak. Hey, Amérique a trois pour l'Irak, pour t'être parle. 34 pays mettent ensemble avec elle. Parce que, when you set up, you set up. Parce que they wanted to destroy Sayoreli Islam pour établir christianisme dans tous les coins de la terre. Cela veut dire que, bien aimé, de même, lors d'un problème, there was a time, Hitler te voulait détruire depuis ces juifs qui sont sous la terre. Et l'Allemagne, c'était la grande puissance internationale. Là, Hitler dit, if you keep a Jew in your country, you become automatically an enemy of Germany. Cela veut dire que sous gen malè ou gen juif la caillou ou pas baili ou vin ennemi l'Allemagne, cela veut dire automatiquement yo marche prend. Et ou pas kabata avec yo. Ou ap détruit. Ce sou pa vle détruit même sou pas d'accord avec ça Hitler a fait juif là, c'est balil. Ou pas là. Can I remind you of something? Le monsieur que l'on appelle Barack Obama. Do you remember the name? Obama décrété que il pas qu'à rentrer dans aucun rapport diplomatique avec un pays qui pas accepter homosexualité la caille. Parce que c'est ça démocratie voulait. Cela veut dire pour pas accepter homosexuel la caille ou pas qu'à aucune relation diplomatique avec les États-Unis d'Amérique. Cela veut dire quoi? S'il décide de la marcher pour tout, depuis ce pays gay homosexuel la caille, il est tout allié avec lui pour marcher caso. Mais Haïti pour qui décide yo fin prendre loi tête chargé yo et puis homosexuel décide yo pral prendre le monde pour yo yo débarquer en Haïti yo pral faire manifestation haïtien dit Obama grand monde dans pays nous même nous grand monde dans pays pas nous bon pile nous prend la rue haïtien monter pile roche ayo haïtien dit pile yo prend la rue n'a calonné en bas côte roche il a mourir là so attendez à toute manifestation crasée. Vagabond va prendre la rue. On va faire manifestation tout union homosexuel aux États-Unis. Mon va permettre de faire ça en Haïti. Somme ka comprendre ça que fait Haïti dans salier là aujourd'hui. Bon aussi m'ka comprendre ça que fait malgré tout ça qui a passé en Haïti yo, corona va tout haïtien. Parce que j'ai bon Dieu qui laisse au pays ça. Parlant avec somebody. Et ça prouve même que l'on chita sous l'Éternel des armées, la méchanceté des grandes puissances, y'a qui doit frapper, mais l'Éternel a couvri. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. En sorte que vous parlez pour paix les hommes. Mais fouillez quoi en bas, c'est Jésus. Que mille tombent à ton côté. Et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains. Fais maxime bien-aimé. Le monde a viré tête en bas. Mais mon qui avec Jésus, pas jambe tête en bas. Il a toujours campé droite avec l'Éternel des armées. Cinquième nom, l'armée mondiale. Quatrièmement, l'armée mondiale. Et nous connaissons lorsque Aristide quittait Haïti. Les ouvriers tournaient en 94-95. Ils tournaient avec GI, gendarme international. Comment fait-on gendarme international alors que tous les pays de la terre sont en guerre? Il y a une armée globale, une armée internationale. Pour qui ça, qu'on l'armée internationale, ce n'est pas un plan international. Ce n'est pas un plan universel. Pour y demander l'armée ça pour faire exécuter dans n'importe pays. Am dormi. La communication, tout ce qui est bon pour les intérêts communs est le message idéal. Il faut la création d'universités pour aider au développement de la science et à la pratique des arts raffinés. Ce n'est plus l'enseignement de la Bible, l'enseignement de Dieu qui prévaut sur la surface de la terre, mais c'est l'enseignement de la science et des arts raffinés. Frère Maxime bien-aimé, l'ayant du intérêt commun, cela veut dire, sous une position, position là, l'intérêt personnel,
et les nuire à la santé du reste du monde, you are à l'aise pour take you out. Qu'est-ce que cela veut dire? En tant que chrétien, ou quoi dans Jésus? Et si le monde estime que a fait Jésus son problème lié pour lui, et nous tous qui croyons dans Jésus, vous sentez que vous êtes OK pour take you out parce que Jésus a son problème pour le monde. Sous un jour d'adoration qu'on croit là-dedans, et c'est celle même qui croit là-dedans, le monde entier accepté on l'autre jour, et vous-même vous insistez le même jour pour là, vous OK pour vous take you out. Parce que ou son nuisance ou l'intérêt universel. Et finalement, sixième principe là, c'est la religion. Lutter pour que l'homme et la femme atteignent la perfection. Le perfectionnisme, l'humanisme, humanism, that's the new religion actually on the face of the earth. Côté, il y a enseigné yoga, il y a enseigné sciences du mental, même dans les écoles. Et côté, il y a fort quoi que you can reach a certain level of perfection, ou capable, ou pas besoin d'adorer personne bagaille, you can worship your own self. It's self-worship. Et bien aimé, quand pile ti moun nous pas réaliser ça, capable d'adorer propre tête yo. Dans la chambre la caillou. Ou pas même connait. Dans les écoles universitaires, toujours gon cercle. Cap enseigner ti moun bagay mental, bagay ki bagay rien à voir avec bon Dieu. Fraternity. Bien aimé, ti moun nou yo quitter la caille nous pas connait côté oui ça y a pas prendre nous est mon dans le collège il pas sorti avec un degré et là il sorti un monde totalement différent parce que pendant dedans you train mindly for something that was never ça l'église de enseigner et ou même ou comprendre petit tout dans l'école ti mon ou a vienne devenir un bagaille et puis you mess up the child's mind to you et puis over le back barou now qu'on est ou pas petit encore. Tout le monde adorera un seul Dieu, le Dieu de la mer Poseidon. Ce sera une religion universelle. Bien-aimé, Frère Maxime, ça me t'en remet nous comprendre. C'est que dans le même temps, tout scandale ça. Bon Dieu, style rété. Bon Dieu. Oh, l'Éternel dit, oh, le pouvoir, le règne sont remis à l'Éternel, notre Dieu. Frère Maxime, bien-aimé, l'Éternel dit, voici le royaume du monde. Regardez, regardez, regardez. Voici, je viens bientôt et mon royaume sera avec moi. Est-ce qu'il y a avec moi, bien-aimé? L'Éternel dit, dans Matthieu 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données dessus. Apocalypse 11 dit, l'Éternel bat Jésus, le règne. Regardez, le rétablissement du royaume de ce monde, Atlantis, qui sortit, qui était plongé. Il dit Atlantis, cette ville de rêve, qui était gain six principes, ça y est, effondré, il est rentré en bas de l'eau. Il est rentré en bas de l'eau. Ou pas là, bien-aimé? Même content pour me dire, l'Éternel dit, me dit, dans Apocalypse chapitre 17, le système de la bête, Apocalypse chapitre 13, il sortit. La bête qui est montée de là, Apocalypse 13, verset 1er dit, je vis une bête qui est sortie de la mer ayant sept têtes et... Ou pas là? La bête, nous pas, on nous lit ensemble parce que nous pas mettre sous écran pour nous capables de lire. On nous allons ensemble. Apocalypse chapitre 13, verset 1er nous dit quoi? On a lit ensemble, bien aimé. Apocalypse 13, verset 1er nous dit, suivez avec attention. Et puis je vis monter de la terre, je vis monter de la mer une bête, est-ce qu'il y en avait moi, qui avait sept têtes et dix cornes et dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Pour qui ça c'est dix cornes, bête ça a gagné, qui sortit de la mer, même gens avec Atlantis qui était bâti sur la mer et qui gagne 10 rois, 10 nations qui forment. Est-ce qu'on avait bien aimé? Nous voilà. Ça me veut comprendre, c'est que you and I, we are set up. La terre prend la vie nous dans nous et il va contrôler nous tant qu'on puppet. Sauf si vous mettez bon Dieu dans la vôtre aujourd'hui.
Et plan les hommes pour vous, ce n'est pas plan de bonheur et de paix. Mais Jérémie 29, verset 1er dit, je connais les projets. Verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. La bête est sortie de la mer parce que le dieu de la mer, c'est Poseidon. Est-ce que l'avez moi bien aimé? Il y a 10 cordes, même j'ai avec 10 nations qui l'ont Atlantis. Est-ce que l'avez moi bien aimé? Mais texte ça intéressant. L'en aller dans Apocalypse 17, il a montré nous même bête ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que même j'ai Atlantis entre l'ombre l'eau, les cinq, les couvrir en bas de l'eau, l'en mer. Yo, dis-moi là, Apocalypse 17, bête ça qui a 7 têtes et dit quoi, non, la pral rentre en bas l'en mer, tout. L'Éternel a fourré le bas côté de sortir. Ça veut dire victoire la possible avec Jésus. Ou pas là, bien aimé, la victoire est possible avec Jésus. Même si nous, elle a été virée, tête en bas, mais l'Éternel s'est à sous-trône. Qui n'a pas de witness, même j'entends, j'en dis, parce que Jésus, chit à sous-trône, tout bagaille. Fais maxime, bien aimé, l'Éternel a régné. Les hommes capables d'adorer tout l'autre bagaille. Mais quand à moins avant, n'a toujours adoré l'Éternel des anges. Et les toutes bagailles passées, Dieu régnera encore. La victoire est dans Jésus de Nazareth. Le salut est dans Jésus de Nazareth. Si l'Éternel dit on branche cheveux dans tête ou pas tomber, il te mettre dit on missile sur vous. Missile n'a tourné pas en fils sur vous. Parce que ceux qui sont gardés par l'Éternel sont toujours bien gardés. Frère Maxime, bien-aimé, vous récord en bas, Jésus, non? Est-ce que c'est flatté pour me flatter, pour me dire, prends Jésus? Parce que le monde virait tête en bas déjà devant. 6,5 millions de monde, billions de monde pour aller mourir. Quand on va chaper là dans nous-mêmes? Sans Jésus. Je préfère mettre sans Jésus sur moi. Pour que les bagages la gâte. Je connais Jésus couvrir. En bas, sans lui. Oh, frère Maxime, bien-aimé. Les arrivés pour me voir aller. Et me content pour me dire où nous allons aller. Mais ce n'est pas là seulement nous allons aller. Nous avons sorti là, c'est vrai. Mais nous avons privé. Je dis nous les arrivés pour nous aller. Et les nous allons aller, c'est les côtés nous allons aller. C'est monter dans la avec Jésus pour l'éternité. Ce n'est pas là que nous allons aller pour ici. Mais c'est là que nous allons aller pour l'éternité. Les hommes battent quoi assez, l'éternel a fixé. L'Éternel a mis des bois dans le bois. L'Éternel a mis poussière dans la bouillie. Et l'Éternel a pris nous. Parce que le texte l'a dit. Oh, voici. Gardez. L'Éternel dit, même si nous, elle a été virée tête en bas. Même si nous, elle a tout barré tête en bas. Que votre cœur. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Et même si mourir, ça n'a pas de problème. Parce que le texte là dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, I have no problem to die as long as I die with Jesus Christ. Les trompettes là sonné. Jésus a descendu. M'a sorti dans ton bois. Pour ton bois crasé. M'a rencontré Jésus dans les airs pour être avec lui pour le temps et l'éternité. Au soutien, il est là. Laisse arriver. Soutien avec Jésus, nous mettons nous debout à soi. Parce que les arrivés pour Jésus et pour aller avec Jésus. Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Si seulement c'était aujourd'hui. Alléluia. Du ciel bientôt. Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui. Tout sera Dieu. Tout sera Dieu. Nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Alors tous les siens savaient. Alors tous les siens savaient. Les enfants sûrs de sa venue. Ils ont avec lui su. La nuit. Si c'était aujourd'hui. On nous chantait ensemble gloire. Gloire, gloire.
Jésus revient bientôt, tout le monde ensemble. Jésus bientôt. On a demandé à Pasteur Nathanaël pour faire dernière prière là pour nous. Pour nous capables de préparer nous dans le ciel avec Jésus bientôt. Prions le Seigneur, tête baissée, yeux fermés. Adorable Père des cieux, Papa nous qui dans le ciel. Parole claire. Ou avertis nous que pas gagner aucune protection en dehors de vous-même. Ou dis nous tout sans vous-même, nous pas qu'à faire rien. Mais tu nous as aussi dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Papa, assure à nous comprendre que même si les nations s'agitent, même si les royaumes s'ébranlent, ou à faire voir, ou à faire nous tant de voir, et les nations te mettent agitées, nous-mêmes n'a protégé. Parce que Seigneur, tu veux nous sauver. Non, mais tant toute panique, ça, yo. Non, mais tant toute secousse, ça, yo. Non, mais tant épais, ça, qu'on peut, qui peut, pour nous, pas pour nous capables à pimpiner, ni pour nous pas comprendre que bagaille, yo, poil douce. En dépit de ça, Seigneur, où sont bon Dieu tellement grand? Où sont bon Dieu tellement puissant? Où fait déjà? Pendant qu'il y a un diplère en Égypte, Égyptien a tombé à droite à gauche, mais tes enfants étaient protégés. Ou montrer que ou après fait encore. Pendant que nous avertissement, Seigneur, ou également dit nous, pinga que nous troublé, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur, nouvel ordre mondial qui solide là, c'est l'ordre mondial par là. Côté royaume où on va le préparer pour nous, on va retourner pour venir chercher petit tout. Permettre que Pasteur Arben soit capable dans le royaume ça, bénir, bénir madame, ni petit lit. Permettre que tout visiteur qui là, qui dans le moment ça, qui a pour remettre cœur à vous-même, qui personnellement, puisque le salut est personnel, cap lever mais cap dit Jésus sauve-moi dans le royaume. À tout le monde qui là, même l'église, cap lever mais cap dit dans cœur yo, Seigneur sauve-moi. Et papa où est main ça yo? Grand monde qui sous les zones cap tant des messages ça qui t'a aimé, dit Seigneur, moi pas comprendre ça qui va le passer là. Moi confie dans ça les hommes à préparer là. Mais un seul bagage moi connais, moi aimé yo, papa. M'ta aimé sauver dans le royaume. Koto yé a wap tande message sa. Levez main. L'Esprit de Dieu a pris note. Les saints anges avaient écrit non. Pour porter by Jésus-Christ qui a intercédé pour vous. Papa, nous besoin. Tandis que main sa yon levé. Où est problème n'a traversé kounya? Où est nous gon pays nous pas même capable la donne? La terre déjà bouleversée. Où est en péril n'a vivre l'an Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, ba nous chance pour nous continuer prêcher l'évangile. Ba nous chance pour nous capable accepter. Ba nous chance pour nous capable rentrer dans le royaume avant le fait noir, avant le trop tard, Seigneur. Gain pitié pour petit tout you. Que le sang de Jésus allait reposer sur tout monde nous yo. Les quitter nous les à l'école. Préservez-vous des corruptions du monde. Préservez-vous de contamination du monde. C'est vous qui êtes capable et c'est vous qui le faire pour nous. Nous invoquons au Seigneur. Nous demandons présence sur la caille, nous, dans toute chambre. Nous supplions que présence soit entrée. Là, nous ne pouvons pas nous garder. Nous demandons au Seigneur. Intervenez. Fais intervention au Seigneur. Jouez pour vous, papa. Je t'ai annoncé cyclone envahi. Il fait dégâts. Qu'on y a joué pour envahir la vie, nous. Pour al rétablir bagayo. Mettez-y aux gens yo doué. La vie en tête en bas. Le monde tête en bas. Nous avons dépression. Toi, le prince de paix, viens régner, Seigneur. Viens régner sur le monde. Viens régner sur les ondes. Dans toute caille,
captant des paroles ça. Bagayot tête en bas, al mette l'ordre dans des ordres. Oui, Seigneur, du chaos, que l'harmonie règne. Descend, yo vin mette vraie beauté par là. Que image ou restaurée dans nous-mêmes. Image ou détériorée par mauvais choix nous fait. Mais que ton image se rétablisse en nous. Et que Jésus revienne. Et que le vin vienne nous préparer. Que nos yeux soient sur toi, Seigneur. Et pendant tout bouleversement, ça, nous disons merci. Merci parce que Dieu a sous petit tout. Monde qui campe pour vous, ou va camper pour vous. Qu'à travers les ondes, tout milliers de monde qui attend des messages, ça, que vous capable de décider pour vous camper pour vous. Et ou même tout Seigneur, ou va camper pour nous. Ce soir, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nous venons faire alliance avec vous. Nous venons joindre nous. Et que dans quand nous y est là, l'un avec Jésus, nous pas perdre du bataille. Parce que si tu es pour nous, qui sera contre nous? Sauvez-nous dans le royaume. Sauvez-nous dans le royaume. Sauvez-nous, papa. Sauvez-nous avec famille nous. Sauvez-nous avec loved ones nous. Bénis-nous. Et que Saint-Esprit soit capable de demeurer sous chacun de nous. Dirige-nous. Et que le langage navagien, c'est le langage parole. Ta loi, ta lumière qui est dans notre cœur et qui est capable de briller dans nos vies. Bénis encore ton serviteur, que ton Saint-Esprit soit capable de saturer pour continuer à présenter ta parole avec clarté et hardiesse. Bénis-nous. Voyez-nous aller la caille pour nous tourner encore demain soir pour nous tendre des paroles. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen, amen. Moun qui recevoir la lumière, bon Dieu, a souhait, a dit merci Jésus. Merci Jésus. Dieu nous dit béni soit l'Éternel. N'attendons-nous demain soir si Dieu veut. Et venez avec nos amis. Gen l'autre bagaille, on va découvrir avec nous. Que bon Dieu bénisse. Bonne nuit. Chaque ami qui l'a, ça m'a fait moi seul, un tel premier encore. Et après les prières, ça m'a fait une lancesse. Pour tout bien, on dit quelque chose pour vous-même. Ça va faire une note. Un tel premier soir, chaque ami qui l'a fait.